L'eau va manquer dans les robinets de plusieurs ménages dans la commune de Yopougon-Mikao à compter du mercredi 4 octobre. La raison, une entreprise de BTP entreprend des travaux de voirie. Rencontré sur le terrain le mardi 3 octobre, Koulibaly Shigata, chef de service entretien réseau et travaux à la direction maintenance de la SODECI, nous en dit davantage. Ce matin, nous avons entamé depuis 2 jours le préparatif du chantier qui concerne le déplacement de la conduite eau brute de l'usine de Niangon 2. Voilà, donc il s'agit ici pour nous de déplacer cette conduite-là pour permettre le bitumage de cette voie et ensuite aussi pour le canal de drainage. Voilà, donc nous avons notre conduite diamètre 800 fonte qui est dans l'emprise des travaux. Voilà, donc il s'agit ici pour nous de faire tout ce qu'il y a à faire, les travaux et tout, pour que le canal de drainage puisse passer et aussi le bitumage. La SODECI mentionne que ses équipes sont à pied d'œuvre afin de trouver rapidement une solution à cette situation.